Good morning, guys. So, we do have another leak today, and this time it is from the weekly Shonen Jump promotional material, and it is about Burn the Witch. So, it has been announced to begin serialization on the 24th of August, and well, Let's just say it out, it is only gonna be four chapters. Like for those of you who were expecting, well, myself included, who were expecting a longer serialization, nope, it is only gonna be four chapters long. First one has been confirmed to be 57 pages. So hopefully the other ones are gonna be that length as well. But you you don't know. We we don't know, we don't know yet. Um, being a weekly issue, so we're going to be getting those chapters within a month's time. And uh, yeah, that's all we know for now. So, as soon as we have more news, we will make sure to share them on Discord in the BBS News section. Why this is uh, important for us as a Beach Source player? Because a collaboration with Bundle Witch has been announced back in March 2020 during the big live stream event for Beach. And it has been confirmed, so we will get some sort of co collaboration. So probably a banner in game, or maybe more. I don't know, for Burn the Witch. So the wh where this is interesting for us is this may dictate what banner we're going to be getting very very soon. So maybe this month, maybe the next month. So it was almost for sure is that the burned witch collaboration banner is going to come before the month of october because it has been announced uh, like it just makes sense don't quote me on this but it will probably happen before the month of october so it's either this month or the next month so either they're going to do it at the beginning of the celebration to just like celebrate it and do like a big promotional event good marketing and so on or they're gonna wait for the end of the serialization, so it's gonna be like four chapters a so month, starting on the twenty fourth of uh, August, all the way to the kind of twenty fourth of uh, September, and it'd be good to just like release it for end of month September, which is gonna be on the thirtieth of September, so still within the month of September and not October, and then on October uh, in October they would be probably releasing. Um, the, um, the, uh, the anime uh, the anime bit of it, or would it be the OVA or the anime? I have no idea. Probably the OVA uh, that they announced. And in this case, because they also they announced the OVA uh, before October, so in the, in the live stream they had this like uh, X's and they showed that it was going to be released on a month that is not two digits, like a single digit month. So, probably um, before. So, it, for me, this is the planning that I foresee. So, having the four chapters now for Burn the Witch. Right now, we're going to be having the 50 million download celebration for Bleach Break Souls. And alongside, we're going to have also the forty-seven, the 48 and 49 million downloads. It's a bit of a cheat for K -Lab, a shortcut for K -Lab because uh, technically, we haven't reached them as part of uh, JP and Global. It's just because they did the, uh, the Asian uh, release and that they boasted about like 2 million downloads from Asia release alone. So, 50 million downloads. They did say already in the news in game that they will be conducting the 50 million downloads uh, celebration event at the same time as the 48 and 49 million downloads event. So I do expect this to be happening now, and then we're going to be having the uh, the four weeks of um, novel serialization. Oh, sorry, uh, the four weeks of Burn serialization that will lead us all the way to end of uh, September, and end of September they will announce the OVA, that will happen uh, imminently at that point, and just release the Burn the Witch banner as an, end of, as an end of month for September. And for this end of month I would see something along the lines of um, not, not Bankai Shuhei yet, I don't think they're going to do it yet, what I see is the um, execution banner for Well, so I can very well see Aura which 3D model is already in the game, uh, Aura uh, Kugo and Tsukishima so this is these are my prediction at this point uh, for the upcoming uh, banners in the game and then end of month September Burn the Witch collaboration plus OVA announcement a huge celebration that would be from a marketing standpoint that would be the right way to do it so you know you just entertain the hype the hype all along the way from uh, the anniversary to uh, the serialization to the collaboration in-game plus the OVA announcement and at this point you are in October very close to the uh, other bank live stream that k is going to be conducting as well uh, the full bank live stream where they're going to make more announcements and then this leads us to end of the year which is probably going to be another story banner I would see something like Snot not as part of this banner and this leads us to 2021 anime is coming back so the hype is also going to be increasing etc etc et so this is the planning that I see uh, coming for us in the coming month let me know what you guys think in this video the only confirmed information is the leak Pour Burn the Witch et si vous voulez obtenir plus d'informations, toutes les nouvelles quand elles arrivent, rejoignez notre Discord. Et bien sûr, si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Et on se voit la prochaine fois. Salut les amis, Alors, nous avons un leak aujourd'hui, euh, une fuite d'informations, et cela concerne Burn the Witch et cela provient de, du Weekly challenge Jump. Rien que ça. Et donc, vous savez euh, qu'au mois de mars cette année, nous avons eu un grand live stream euh, où euh, Bleach, Bleach était euh, à l'honneur. Et où ont été annoncées quatre choses. La première, c'était le fait que Burn the Witch allait paraître dans le Weekly Shonen Jump. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il y aurait un, un, un film animé Burn the Witch euh, cette année. La troisième, c'est le fait qu'il y aurait un, un musée à l'honneur de Bleach au Japon en 2021. Et la quatrième, c'était le retour de l'anime. Donc, ces quatre annonces avaient été faites. Pendant le live stream au mois de mars cette année et euh, il avait également annoncé une collaboration entre Bleach source et Burn the Witch et qui dit que leur collaboration dit un portail collaboration dédié où l'on aurait les, euh, les personnages de Burn the Witch dans Bleach Brave Souls. Alors aujourd'hui on a eu un, une fuite de la part de Weekly Challenge qui confirme que la, le début de, de l'apparition des les chapitres dans le Wiki Challenge Jump commencera le 24 août, c'est-à-dire dans quelques semaines à peine. Alors, on pourrait se demander ok, euh, ça c'est super et tout, mais est-ce qu'on a un peu plus d'informations Oui, on sait qu'il s'agit de qu'il y aura quatre chapitres en tout et pour tout. Alors, bien évidemment, j'aurais préféré un peu plus, quelque chose comme. Euh, une vingtaine, trentaine de chapitres, histoire de nous, tenir, de nous tenir à peu près six mois à lire de manière hebdomadaire du Bleach, enfin de l'univers Bleach. Cependant, ce ne sera pas le cas. On n'a que quatre chapitres, malheureusement. Alors, très honnêtement, à ce stade, je prendrai même un chapitre. Donc bon, il ne faut pas être trop gourmand non plus. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que le premier chapitre fera 57 pages. Alors, est-ce que les trois autres seront tout aussi longs cela reste à confirmer, on n'en sait pas plus à cette heure. Mais euh, voilà, le premier fera 40, 57 pages, sortira le 24 août. Et il s'agit d'une parution hebdomadaire, c'est-à-dire que euh, en un mois, tout cela sera bouclé. Maintenant, ça c'était pour la partie information nouvelle. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre le Discord pour avoir toutes les informations dès qu'elles tombent et sans attendre. Le lien est dans la description juste en dessous. Maintenant, euh, côté euh, ce que j'en tire de cette information. Qu -ce Qu'est-ce qu que je devine, vois, pour Bleach dans l'immédiat Alors, le planning que j'imagine pour Bleach, c'est le suivant. Ça fait très exposé là. <laughs> c'est le suivant. C'est-à-dire que, pour moi, on a eu l'anniversaire qui a eu lieu. Maintenant, euh, Caleb a également annoncé le fait qu'on avait franchi la barre des 50 millions de téléchargements dans le jeu. Et on sait qu'ils font des célébrations à chaque nouveau palier, donc 46 millions, 47 millions, etc. Sauf qu'on était resté bloqué à 47 millions. Et on n'a pas célébré 48-49, mais on est déjà à 50. Ils ont confirmé dans la notice du jeu que l'on aurait les célébrations à la fois des 48 millions et 49 millions de téléchargements qui vont être mises euh, à disposition dans le jeu incessamment sous peu et Que suivrait une célébration plus grande pour les 50 millions de téléchargements? On a d'ailleurs eu hier euh, dans Channel News euh, la, le, le nouvel item qui avait été dataminé par euh, Soldex et qui euh, procure 20% de pression spirituelle supplémentaire aux personnages 5 étoiles. Et c'est un c'est l'attribut de notre passage. Donc on a eu le premier round d'anniversaire avec deux personnages, on a eu le second round avec des personnages de la guerre sans l'ombre des Milans, donc les fameux Sternwriters. Il semblerait que là on ait une nouvelle célébration pour, euh, qui, va prendre, euh, qui va prendre à relève, tout simplement, qui va être les 50 millions de téléchargements à partir de demain. Donc on aura très certainement plus d'informations à ce moment-là. On sait que la fin de mois d'août, en général, enfin le mois d'août, on a une autre bannière assez hype. L'année dernière, on avait le portail des euh, personnages du roman avec le fameux Stark, le Stark. Euh, euh, tech le vert et euh, donc très certainement cette année on va également avoir le même le même schéma avec une bannière quantifier world euh, pour août. Alors est-ce que euh, ce sera le Shurei Bankai je ne pense pas, je pense qu'on va plutôt avoir une bannière euh, au thème exécution avec Aura dont le modèle 3D est déjà dans le jeu ainsi que Kugo oh, et euh, Tsugishima. Donc ça c'est ce que je Prélis, cette bannière-là pour euh, ce mois-ci. Grosse bannière. Ensuite, ben, sachant que le, le, la parution aura commencé à partir du 24 août, en termes de marketing et de stratégie, je les verrais bien en fait euh, laisser ça courir sur quatre semaines. Donc on aurait les quatre chapitres qui commenceraient du 24 août jusqu'au euh, 24 septembre. Et sachant que dans leur annonce du euh, live stream de, de mars, ils avaient dit que le, 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 le film animé, en fait, l'animation la, aurait lieu là-là, bah, d'ici la fin de l'année, et bien, ça, je, je verrais bien, en fait, les, les producteurs faire un coup sur coup. C'est-à-dire qu'on a d'abord les quatre chapitres du manga, très bien, pas de souci, ça commence à nourrir un peu le, la hype. Et puis, sur la fin des quatre chapitres, paf Fin septembre, il nous annonce qu'on va avoir l'animé. Et pour célébrer l'arrivée de l'animation, je l'arrivée l'animation, on a le portail collaboration, Burn the Witch et Bleed Souls qui tombe. Et ça, ce serait donc je verrais bien le 30 septembre, soit la, la prochaine fin de mois, celle du mois prochain. Cela nous amène donc au mois d'octobre, et à ce moment-là, en général, qu'elle a un à live stream, un événement de banca live stream. Euh, bah, sur, la, sur ce mois-ci, sur le mois d'octobre à peu près. Et euh, tout ça, ils vont faire de nouvelles annonces, ça va, ça va continuer à entretenir la hype. Et euh, progressivement, on arrive sur le mois de décembre, qui est l'anniversaire de la globale, où on va avoir un autre portail TYPW, probablement avec un certain euh, asnot. Et ensuite, nous arrivons à l'année 2021 avec toutes les grandes choses qui nous attendent. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le, le planning. Euh, que j'envisage que je, je, je suppose pourrait arriver dans le jeu mais l'information sûre et confirmée de cette vidéo se trouve au tout début et c'est burn the witch qui arrive dans le weekly Jump en quatre chapitres à partir du 24 août. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à lâcher un petit like. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires en dessous ce que vous pensez du planning dont je viens de parler. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. 天下，天下。